Il weekend è fatto per rilassarsi, anche per divertirsi, anche per ridere. E dunque oggi, questo sabato 15 agosto, abbiamo previsto di farvi passare un po' di tempo in bella compagnia con Gio Cacchione. Quel plaisir d'être avec toi, avec toi, avec toi, pour la semaine italienne de Montréal. Ragazzi, nous sommes rendus à la 27e édition. L'année passée, je me souviens, j'étais sur le stage, grand, 8000 personnes qui te regardent. C'est pas la même chose à la télévision, hein? Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour toi qu'on le fait. J'espère que tu vas t'amuser. Tu vas t'amuser, pourquoi le spectacle va être formidable. Tous les spectacles de la semaine italienne ont été choisis pour que tu t'amuses toi aussi. Et moi, aujourd'hui, je dois te spieguer. Spieguer, c'est un mot qui signifie et que je donne une explication. Spieguer. Tu vas voir, à la fin de mon spectacle, toi aussi, tu vas capisser quelques mots d'italien. Écoute-moi bien. Alors, tu dois savoir, premièrement, que la langue più bella al mondo, l'italiano. Oui, je sais, le français, les gens disent que le français est la langue de l'excellence. Oui, je capisce, mais tu sais, l'italiano est la lingua dell'amore. English, English is not a language. L'anglais est une erreur de calcul. Je sais, les gens l'ont écrit parce que pour la business, c'est une bonne langue. Mais ce n'est pas important de la business. Ce qui est important, c'est la communication et surtout l'amour. Comment je peux te dire ça? La beauté d'une langue est reliée à sa culture. Et la culture est reliée à la panza. Oui, parce qu'en italien, nous avons la panza plus développée au monde. Attention, pas nécessairement la panza, mais je veux dire au niveau culinaire, nous sommes extraordinaires. Panza. Il y a des restaurants partout dans le monde, mais des restaurants italiens, il y en a dans tous les coins les plus perdus de chaque pays, de chaque ville, de chaque village. Il y a un ristorante italiano, una trattoria, una pizzeria. Il n'y a nulle part au monde où est-ce que tu ne retrouves pas ça. Impossible. Les restaurants français, vous avez fine cuisine française. Oui, tu vas manger, tu sors de là, tu as faim, tu vas manger encore une fois. Et poi, la richesse de la cuisine italienne. Tu sais, je dois te dire une chose. Est-ce que tu savais que les Italiens, nous avons les antipasti, hein, les entrées. Et nous avons i supplì, nous avons fiori di zucchina, nous avons la bruschetta que tout le monde connaît. C'est formidable, c'est vraiment bon. Mais nous avons aussi le premier pas, juste dans les pâtes. Juste pour te dire à toi, est-ce que tu sais que nous avons 50 types de pâtes multipliés par 70 types de sauces, juste la combinaison des deux arrive à 3500. Nous pouvons manger pendant 10 ans sans répéter le même plat. C'est une chose extraordinaire. Et ensuite, le secondo, c'est le relié à des villes. Par exemple, à Rome, nous avons saltimbocca alla romana. Vas-y, essaie de deviner toi aussi. Si moi je dis risotto alla milanese, c'est de où? Milano, Milano, tout le monde le sait. Les olives ascolane di Ascoli, la pizza napoletana di Napoli. Tu capisces la richesse de notre partie culinaire. C'est extraordinaire. Et une autre chose, les desserts. Les desserts, ragazzi. Nous avons une infinité de desserts. Nous avons même des desserts qui sont reliés à une journée de l'année. Les zeppole di San Giuseppe. C'est le 19 mars. Nous avons ça une journée de l'année et ça suffit. Mais vous vous rendez compte. Et le dessert le plus connu, il panettone. Bon. Je dis le dessert le plus connu parce que je pense qu'il est connu à niveau mondial. Et là, toi, Québécois, moi, je vais te faire une critique. Je vais te dire que moi, j'ai connu des Québécois qui ne connaissaient pas le panettone. Je l'ai invité à Natal, à Noël, à la maison. Il est venu, il s'appelle Jonathan. Il est venu, il y avait un panettone sur la table. Il l'a regardé, il a dit, « Hey, Joe, il est gros ton muffin. » Mais nous, panettone, ça se mange à Noël. Une autre chose. Les noms. I nomi. Nous, les Italiens, on donne des noms
Moi, je m'appelle Giuseppe parce que mon grand-père s'appelle Giuseppe. Mais mon père s'appelle Nicola parce que son grand-père s'appelle Nicola. Moi, je ne capisce pas comment les gens ils font pour donner des noms aujourd'hui. Tu sais que des gens, aujourd'hui, ils donnent des noms de villes. Par exemple, si moi je te dis Paris, tu vas me dire Hilton. Parce que Paris Hilton s'appelle Paris, mais je ne capisce pas pourquoi. Si tu dis, par exemple, Crosby, le prénom est... Tu as oublié? C'est pas grave, moi aussi. Mais ils donnent tous des noms de villes. Moi, je veux capicher comment te vient en tête de donner un nom comme ça. Le fils de Beckham s'appelle Brooklyn. Je suis allé voir Beckham. J'ai dit, excuse me, why Brooklyn? Il a dit, je ne sais pas, demande à Victoria, c'est elle qui a pris la décision. J'ai dit, ok, ok, Victoria, why Brooklyn? Elle a dit, well, I am an artist. And I'm in the show business, therefore, he was conceived in Brooklyn. We call them Brooklyn. Okay. Je suis allé voir Paris Hilton. Paris, pourquoi on t'appelait Paris? Elle a dit, oh, je suis dans le show business. J'ai été conçu à Paris et on m'a appelé Paris. Maintenant, moi, je vais te dire une chose. Une chance que moi, je n'ai pas suivi cette psychologie. Parce que moi aussi, je suis dans le show business. Moi, j'ai deux enfants. Et si j'avais suivi la même logique, mes enfants aujourd'hui seraient Cambo-Basse et Trois-Rivières. Ça ne marche pas. Une autre chose, les nicknames, les surnoms. Hein? En italien, è bello, il soprannome. Écoute le mot, soprannome. C'est que ça va au-delà du nom. En français aussi, ça va. Surnom, ça va au-delà du nom. Mais in English. In English, nicknames. Why Nick? Qu'est-ce qu'il a fait Nick pour être en avant de names? Que c'entra? Ça ne pouvait pas être Joanne names? Ça ne pouvait pas être Vittorio names? Non, nicknames. Pourquoi? Pourquoi? Et puis nous, en italien, les nicknames, les surnoms, i soprannomi, nous avons les plus beaux au monde. Par exemple, amore, tesoro, gatto, gattino, tesorino mio. C'est beau, hein? C'est beau. Je le sais, ça vient te chercher toi aussi. En français, vous avez chéri et c'est tout. Vous avez seulement chéri, c'est beau, mais un peu limité. In English. Sweetie pie. Qui a eu l'idée que toi, tu vas appeler la personne que tu aimes « Sweetie Pie ». Tu as déjà traduit ça en français? Hey, la tarte! Sweetie Pie, si elle t'appelle comme ça, c'est seulement parce que tu fais monter le cholestérol. Tu fais arriver le diabète. Sweetie Pie. Maro. Moi, j'ai déjà essayé de l'appeler, mais ma femme parle seulement italien. Alors, je lui ai dit « Panettone, viens ici ». Ça a pas très bien passé, hein? Je te le dis. Un autre surnom que les anglophones disent, c'est dear. Dear. Non, écoute bien le mot. Dear. T'as aucune réaction, toi? Dear. C'est tua moglie qui chiama dear et puis qui tient les cornes. Une autre chose. Et ça, c'est le pire. Ça, je n'ai pas encore capiché pourquoi les gens appellent la personne qu'ils aiment de cette façon. Et le mot est pumpkin. 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 Comment tu fais à appeler la personne que tu aimes dans ta vie pumpkin? La citrouille. Est-ce que c'est à cause de la forme ou de la couleur? Que tiendre? Pumpkin. Tu as déjà appelé, toi, ta femme, Cogots. Viens-y quoi. Tu peux pas.
Tu ne peux pas. Et au-delà des mots comme ça, vous savez, il y a aussi une autre chose chez les Italiens, la réalité de qui nous sommes comme relation homme-femme. Moi, quand je parle à ma femme, je lui ai dit, parce qu'elle dit que les hommes, les femmes, nous sommes tous pareils. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je lui ai dit, Dieu nous a créés de façon différente, par exemple, juste sur le plan de la parole. Moi, j'ai été créé pour dire 25 000 mots par jour. Et ma femme, je lui ai dit, toi, tu en sors 50 000 par jour. Elle m'a dit oui, parce que je dois répéter tout ce que tu n'as pas compris. Mais c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, quand tu dis, tu dois dire 25 000 mots par jour, et je dois te dire une chose, les 25 000 mots, ce n'est pas que tu les dis 25 000 mots, bon, tu t'en gardes 5 000 pour le jour après. Non, non, c'est 25 000 tous les jours, et ça ne change pas. Tu ne peux pas dépasser de 1000 mots un jour ou 1000 mots de plus, 1000 mots de moins. Non, c'est 25 000 tous les jours. Maintenant, pour ceux qui me connaissent, tu sais très bien que moi, je suis directeur d'une école. Moi, quand j'arrive à l'école, déjà dans l'auto, je commence à faire les téléphonates pour régler quelques petites situations. Arrivé à l'école, les premiers 1000 mots sont déjà passés. J'arrive là, réunion avec les professeurs, réunion avec les élèves, réunion avec la commission scolaire, réunion, téléphone, téléphone. J'ai déjà, pour midi, passé 8000 mots dans ma journée. Quand je quitte l'école, vers 5h de l'après-midi, je rentre dans l'auto, je pars, je finis quelques appels, je suis déjà rendu à 20 000 mots passés. J'arrive là, j'ai des enfants, je les aide à faire les devoirs, je regarde comment ça a été la journée, je suis rendu à 24 000 mots, 24 500. Quand je vais me coucher, d'habitude, il reste 3 mots. Ma femme, elle ne travaille pas. Elle est à la maison. Elle n'a pas d'amis. Quand je quitte le matin, elle m'envoie la main. Elle n'a pas encore commencé à parler. Arrive 5h30, quand j'arrive à la maison, elle n'a pas encore dit un seul mot. Elle a gardé les 25 000 mots juste pour moi. Et quand elle commence, c'est une vraie mitraillette. Moi, je suis assailli par tous les mots. Et moi, j'ai déjà 20 000 mots qui sont passés. Je ne peux pas me défendre de la même façon qu'elle m'attaque, non? Tu imagines la chose. Et en plus de ça, quand je vais me coucher, elle pose la question. Est-ce que tu m'aimes? Oh, tu sais qu'il ne te reste que quelques mots. Tu fais, tu essaies de les garder. Tu ne réponds pas. Tu fais, parce qu'il te reste 3 mots. Elle dit, qu'est-ce que tu aimes de moi? Et c'est là que tu réponds, bonne nuit chérie. Et ça finit la conversation. Toi, tu n'as plus de mots, tu ne peux plus rien dire. Elle, il lui en reste 5000, jusqu'au sommeil. Et le lendemain matin, ça recommence. Mais tu te rends compte de la réalité. Une autre chose, c'est dans les difficultés linguistiques, c'est comment est-ce qu'on apprend une langue. Vous savez, il y a des langues qui sont très faciles à apprendre. Il y a des langues qui se disent être faciles, mais est très compliquées. Je te donne l'exemple. L'italiano, à part d'être une belle langue, è una lingua facile da imparare. Tutti possono parlare italiano. Je vais te donner un exemple. Tu prends un mot en italien. Si le mot finit avec le O, tu veux apprendre le pluriel des mots. C'est facile. Le mot finit avec le O, pluriel finit avec le son I. Par exemple, si moi je dis banco, banchi. Facile, non? Si je dis, par exemple, tavolo, tavoli. Facile. Tu essayes toi aussi. Si je dis bambino, tu dis bambini, tu vois comme c'est facile. Maintenant, tu es à 50% italien. Tu as compris comment fonctionne la langue italienne pour 50%, c'est-à-dire le masculin singulier au pluriel. Maintenant, passons au féminin. Le féminin aussi, très facile. Si le mot finit par A, pluriel, ça finit par E. Par exemple, banca, banque. Sedia, sedie. Tu ne peux pas te tromper. Tu capisces?
Une fois que tu sais ça, tu connais le masculin, le féminin, singulier, pluriel, voilà, tu es italien. Benissimo. English. English is a problem. Je suis allé voir un de mes amis, Pasquale, qui est professeur à l'Université Concordia en linguistique. J'ai dit, Pasquale, comment fonctionne le pluriel des mots in English? Il m'a dit, oh Joe, it's very, very simple. You put an S at the end. J'ai dit, comme? Yes, for example, you take car, cars. Put an S, and that's it. I just, wow. Féminine, masculine. Dis, no, no, no. The same for everything. Wow. Et c'est plus facile que l'italien. Tu prends le mot, tu mets le S. Pas, fatto, tu as le pluriel. Facile, hein? Il y a une expression italienne qui se dit, na figura è merda. C'est ce que j'ai fait. Na figura è merda. Laisse-moi te expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, toutes les choses blanches que j'ai dans la bouche, les dents, in English, teeth. Moi, je pensais que le mot était singulier. J'ai mis un S à la fin. C'est devenu teeth. Toi, capiché. Toi, capiché. Je suis allé chez le dentiste avec ma femme. Ma femme parle anglais moins que moi, je l'ai dit avant. Ma femme parle seulement de l'italien. Et elle est arrivée, elle m'a dit, j'ai dit au docteur, dotto, my wife, lui parle seulement anglais, hein? My wife have problem with her teeth. Il dit, what's the problem? She have a very, very small teeth. I'll fix it. Hey, c'est pour ça que nous sommes venus. Maintenant, ma femme, imaginez, ma femme vient d'une famille pauvre. Elle vient d'une famille, ils n'avaient pas d'argent. Pas d'argent, elle n'a pas acheté de lait. Pas de lait, pas de calcium. Pas de calcium, les dents n'ont pas grandi. Comment je vais faire pour expliquer tout ça à le docteur? J'ai dit, docteur, small teeth, no milk. Madonna, quelle figure, ragazzi. Quelle figure. Une autre chose qui est importante de savoir, c'est la relation homme-femme par rapport à des événements spéciaux. Je te donne l'exemple. Un de tes amis se marie. Comment l'homme et comment la femme réagit, c'est très différent. Hein? Par exemple, quand je reçois l'invitation au mariage, ma femme reçoit l'invitation, elle fait « Oh! » Francesca se marie. Je vais revoir Giuseppina, Anna, Filomena. Oh, Antonio se marie. Combien d'argent je vais mettre dans la bouche? La bouche, c'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe où est-ce qu'on doit mettre l'argent. Combien d'argent je veux. Et moi, je deviens malade avec combien d'argent je dois mettre. Parce que je ne sais jamais combien d'argent je dois mettre. Moi, j'en vis. Et nous, les Italiens, nous avons beaucoup à apprendre de certains Québécois. Et je le sais, il y en a qu'est-ce qu'ils font. Quand ils invitent François et Josiane, vous invitent au mariage, telle date, telle heure, telle place. Et en bas de la feuille, c'est marqué 125 $. Tu le sais. Tu n'as pas à te cerveller à savoir combien tu dois mettre dans la bouche. Et quand tu arrives au mariage, tu regardes les gens et tu dis, bon, 125, 125, 125, 125. Tu le sais combien il y a eu dans la bouche. Les mariages italiens, tout le monde regarde, lui, je ne sais pas combien. Regarde comment elle est habillée, j'espère que la bouche est substantielle. Tu ne sais pas combien les gens ont mis. Et une autre chose, s'il te plaît, si tu m'invites à ton mariage, tu m'invites une semaine avant le mariage. Ne m'invite pas 4 mois avant. Parce que moi, pendant 4 mois, je n'ai aucune idée de combien je dois mettre dans la bouche. Et pendant 4 mois, je ne dors pas. Toi, capiché? Je ne dors pas. Je deviens insomniaque. Je deviens malade. Je deviens avec l'hypertension. Je deviens... Tu ne peux pas me faire ça. Ne me le dis pas que tu te maries. Dis-moi-le la veille. Invite-moi. Je vais être là. Il n'y a pas de problème. Mais combien je dois mettre dans la bouche, je ne sais pas. Et tu sais ce qui m'arrive, moi? Et ça arrive à tous les Italiens. Quand on reçoit ça, on ne sait pas combien on doit mettre. On prend la bouche, on la met de côté. On essaie de l'oublier, mais tous les jours, tu passes devant et là, tu as des palpitations qui recommencent parce que la bouche, elle est là.
Quand moi j'ai reçu l'invitation de mon Québécois à 125 $, moi je l'avais très bien placée, je n'y pensais plus. Elle était entre les factures d'Hydro-Québec et Bain Canada. C'était une autre facture, c'est tout, c'est à payer, ça finit là. C'est facile à capicher, non? Invece, non, les Italiens, on attend. Combien je vais mettre? Peut-être 300, peut-être 200. Il y en a qui ont trouvé une façon très belle de savoir combien ils doivent mettre, non? Parce que très souvent, quand les gens nous invitent, eux, nous sommes allés à leur mariage, mais eux sont allés à notre mariage. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher la liste de quand ils sont venus à ton mariage, tu regardes combien chacun a donné, ah ah, c'est ça qu'il a donné, tu mets ça dans la bouche, tu n'y penses plus et tu lui redonnes. Mais si jamais ils ne sont pas venus à ton mariage et tu dois savoir combien tu dois mettre dans la bouche, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas. Alors moi, je pense que nous devons institutionnaliser la bouste. C'est-à-dire, nous devons créer une bouste unique. Tout le monde doit mettre le même montant, dépendamment de la relation que tu as avec la personne. Je te donne un exemple. Si tu es avec... c'est ton fils, ton frère, ta sœur, famille très très proche qui se marie. Tu mets 1 000 $ par personne dans la bouche. Tu n'es pas d'accord avec les 1 000 $? Tu trouves que c'est trop? Tu es cheap, toi. Je ne t'invite pas. Je ne t'invite pas quand mes enfants se marient. Je ne t'invite pas. Mais si jamais tu es très, très proche comme ça, 1 000 $ par personne. Si jamais c'est un ami très proche, tu es le best man, tout ça, alors c'est 500 $ par personne, ça peut passer. Si c'est un cousin, un ami, alors là, c'est 200 $ par personne. Mais attention, ce n'est pas 200 $ fixe. Non, c'est une 200 $ variable. Laisse-moi te spieguer. Quand tu arrives à le mariage, tu conduis, tu arrives à la salle de réception, tu regardes, il n'y a pas de valet. Tu enlèves 5 $ par personne. Tu as capiché? Ensuite, tu stationnes l'auto, tu rentres en dedans. Tu sais, il y a les billets qui te disent à quelle table tu vas t'asseoir. Tu prends le billet, tu vas t'asseoir. Il t'a placé à côté du speaker. Ça, tu enlèves 40 $ par personne parce que tu sais déjà que le lendemain matin, tu te lèves avec nous mal d'itèche ta coussie et ça a foutu en l'air ta journée d'après. Alors ça, c'est 40 $ par personne. Autre chose, les menus. Les menus, tu regardes le menu. Et est-ce qu'ils offrent du filet mignon ou du poulet? La différence, c'est de 50 $ par personne. Hein? Je te le dis tout de suite. C'est pour ça que tu enlèves une autre 50 $ de la bouche. Moi, je te le dis, un de mes cousins, Tony, il s'est marié. Je suis allé à le mariage. À la fin de la soirée, lui me devait 175 $. Perfect. Il m'a envoyé le chèque, pas de problème. Les bons comptes font les bons amis. Une autre chose qui est dans l'identité de nous, les Italiens, je le sais. Toi, Québécois, tu ne peux pas capicher ça. Mais nous, c'est dans notre identité la plus profonde. Nous sommes jaloux. Jaloux! Oui, tu peux regarder ce que tu veux. Tu peux regarder la femme que tu veux, mais pas ma femme! Tu ne regardes pas ma femme. Je t'ai vu comment tu l'as regardée. On observe tout par rapport à ça. Je suis jaloux. Je vais te raconter un épisode qui m'est arrivé une fois. Pour te faire comprendre jusqu'à quel point nous sommes jaloux. Ma femme, elle est à la maison, je le disais tantôt, elle ne bouge pas de la maison. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui se passe à la maison. Un jour, elle a décidé d'acheter un meuble de Ikea. Elle appelle Ikea, ils ont fait livrer le meuble. Elle est très... très bonne, avec très manuelle. Et ce qu'elle a fait, elle a monté le meuble Ikea. Quand elle a fini de monter le meuble, tout est beau, tout à goût. Je ne sais pas pourquoi. De ce côté-là, la portière s'ouvre tout seul. Elle referme. 15 minutes plus tard, ça ouvre tout seul. Elle referme. 15 minutes après, encore. Et elle a remarqué que le 15 minutes, ce n'est pas une question de temps. C'est que quand l'autobus passe à côté de la maison, la portière s'ouvre. Et ma femme dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que l'autobus vient faire avec la portière? Elle appelle Ikea.
pour dire, écoute, venez voir. Et ils disent, mais non, ce n'est pas possible, on n'a jamais... Venez voir, envoyez un technicien. Ils ont envoyé le technicien, il est venu. Il regarde la portière, ferme la portière. Madame, la portière est parfaite, je ne vois pas de problème. Et ma femme dit, attends. Oh, quelques minutes après, passe l'autobus. La portière s'ouvre. Et le technicien est resté un peu... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait? Alors, il a dit, la meilleure façon de voir qu'est-ce qui se passe, c'est de l'intérieur. Alors, il enlève ses souliers, rentre dans l'armoire, ferme la porte et attend. Et c'est à ce moment précis, il est 5h30 le soir, que moi je rentre à la maison. D'habitude, elle est dans la cuisine, elle n'était pas là. La chambre des enfants, elle n'était pas là. Je vais dans la chambre à coucher et je la vois devant l'armoire. Et au pied de l'armoire, je vois une paire de souliers qui ne sont pas les miens. Je l'approche, déjà fâché, parce que tout capiche. Je l'approche, je pointe les souliers, elle dit, je voulais te dire, non. Je prends l'armoire. Je l'ouvre d'un coup. Le gars, il reste comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Il dit, j'attends l'autobus. Toi, tu dois croire quelque chose comme ça, toi. Ma peine piacere. Une autre chose. Je dois te dire à toi. J'espère qu'un jour, si tu n'as jamais eu l'occasion d'y aller, j'espère qu'un jour, tu puisses aller en Italie. Mais pas seulement Rome, Venise, Milan, Napoli. Non. Dans les villages. Parce que c'est là que se retrouve le cœur de l'italianité. C'est là que se retrouve la possibilité de l'impossible. L'Italia est bellissima. Je veux que tu la découvres, toi aussi. C'est mon pays, c'est celui que j'aime. Et tu sais quoi? Je veux te raconter une dernière petite histoire. Mon grand-père, c'est pas comme aujourd'hui, quand tu prends la retraite, tout est fait par Internet, on te l'envoie, dépôt direct. Non. Avant, mon grand-père devait laisser le village de Casa Calenda pour aller à Campobasso. Il devait faire une heure de train. Ensuite, ça ouvre à 8h30. Et sur papier, ils n'ouvraient pas avant 10h, parce que qui est allé prendre un café? Qui avait quelque chose d'autre à faire? À 10h, il y avait une longue file. Mon grand-père était 18e, 19e en arrière. Quand c'est arrivé à son tour, il était 1h de l'après-midi. La fille dit, excusez monsieur, on ferme, je dois aller manger. Et mon grand-père dit, non, je suis venu ici parce que c'est ma première journée de retraite. Je dois vous faire signer les documents pour avoir la retraite. Elle dit, oui, je comprends. Non, s'il te plaît, j'ai un certain âge, je suis vieux. Je ne peux pas retourner à Casa Calenda puis revenir demain. La dame a eu un peu de compassion, et c'est là que je vous dis la beauté de ce pays, c'est que tout est possible. Elle dit, OK, donnez-moi les papiers. Donne le papier. Donnez-moi le papier de la personne pour qui vous travaillez. Et mon grand-père a dit, ben, je ne l'ai pas. Et oui, mais comment voulez-vous savoir si vous pouvez avoir la retraite? Ben non, madame, si je suis ici aujourd'hui, c'est une journée de travail, c'est parce que je ne travaille pas. Donc, s'il te plaît, donnez-moi les papiers. Et la jeune fille, prise un peu de compassion, regarde mon grand-père et dit, déboutonne la chemise. Déboutonner la chemise, mais pourquoi? Déboutonne la chemise. Mon grand-père déboutonne la chemise. La dame regarde, ah oui, je vois des petits poils blancs. Vous êtes retraité. Allez. Elle signe le papier, lui redonne. Mon grand-père, il ne pouvait pas croire ça. Il prend le papier, il reprend le train de Campobasso à Casa Calenda, il va voir ma grand-mère, dit « Annina, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui m'est arrivé. » Et il raconte l'histoire. Ma grand-mère dit « Ah, parce que les grands-mamans aussi sont jalouses, hein? Ah, tu as déboutonné la chemise et il t'a donné la pension de retraite. Tu aurais dû déboutonner le pantalon. Il t'aurait donné la pension pour invalidité. » Je vous remercie beaucoup pour l'écoute. J'espère qu'on va se revoir l'année prochaine pour la 28e édition. Sur ce, je vous embrasse très fort. Vous êtes un public chaleureux. À la prochaine. Ciao.
Che vi dicevo, si resta sempre giovani dentro, malgrado dopo 27 edizioni qualche capello grigio ci fa capire che il tempo passa. Adesso è il tempo di consacrarsi invece alla musica di Mike Melino e il suo concerto. Stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato nel mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. Quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce. Improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Non avevi perso mai, che non avevi perso mai. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Tu non avevi perso. Non avevi perso mai. Merci beaucoup, grazie, buonasera, bonsoir, merci d'être là, merci d'être dans vos sofas où vous êtes. Donc, me voici encore une fois pour une xième année à la semaine italienne. Et puis, quand j'ai accepté de faire la semaine, j'ai pensé à mes premières fois que j'ai fait de la semaine italienne, dans les débuts de la semaine italienne. Je vous ramène en 98. 98. Et puis, on avait comme démo pour un concours en Italie, j'avais fait une traduction d'une chanson de Rock Voisine intitulée « With These Eyes ».
en italien, Se vorrai, une chanson remplie de positivité. On en a besoin de ces temps-ci. Se vorrai, potrai fermare il tempo, cercare quello che non hai, con la forza che c'è in te. Se vorrai, potrai scoprire il senso di cose fuori la realtà, di false verità. Se vorrai, più solo non sarai, avrai al tuo fianco incomprensioni e avversità. Se vorrai, il niente ti darà il totale di emozioni che non hai. Se vorrai, potrai scoprire il modo di dire nuove verità che tu solo capirai. Se vorrai, capirai di più, pagherai però molto più di ciò che puoi. Se vorrai, sarai uno di più tra quelli che hanno osato alzare gli occhi in su. Se vorrai, la corsa fermerai di una forza che combattere non sai. Pensaci se vuoi, se ancora puoi, perché più tardi non potrai tornare ciò che sei, ma è tempo ormai di scelte che non puoi spostare avanti più. Se davvero vuoi la tua vera identità, sapere se sei più vicino alla follia di chi non sa. Se vorrai, da solo arriverai verso il senso che la vita non ha mai. Il senso che la vita non ha mai. Grazie, grazie mille. E per la prossima canzone vi porto negli anni 90 con una grandissima canzone dei Pooh, quella che ha vinto il Festival di Sanremo quell'anno, una bella canzone che parla di società, di uomini nel senso più generale, intitolata Uomini soli. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col topo barba che sa di pioggia e da 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel va e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene a sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli, perché ha paura del sesso per la smania
di successo per scrivere il romanzo che ha di dentro. Perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farsi amare come siamo, senza violentarsi più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso o dorme o muore, oppure fa l'amore. Sono uomini soli per la sete d'avventura, perché ha studiato da prete o per 20 anni di galera, per madri che non li hanno mai svezzati, per donne che ne ha rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi, dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi. Ma dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. Spalancata sul mare, ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie, è cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certo che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore è appena nato, è già finito. Lo stupore della notte spalancata sul mare, ci sorprese che eravamo sconosciuti io e
te, poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io volessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certo che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore è appena nato, è già finito. Grazie, questa era Se telefonando l'avete riconosciuta, una canzone con cui ho vinto il Super Fantastico del 2006. And now la prossima canzone, una canzone della grande Mia Martini, una canzone che non mi sono mai azzardato di cantare nella mia vita perché mi fa troppo paura. Però in questi tempi questa canzone mi ha fatto pensare ad una persona molto molto importante nella mia vita, con cui ho vissuto tutto questo periodo un po' incasinato, e cioè senza di lui, senza di questa persona non avrei potuto sopravvivere questa situazione. Una grande canzone intitolata Almeno tu nell'universo. Sai, la gente è strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentirà lui. Senza serietà, come fosse niente. Sai, la gente è matta, forse troppo insoddisfatta. Segue il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente e scioccamente. Tu che sei diverso, nell'universo un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più. Sai, la gente è sola. Come può lei si consola?
per non far sì che la mia mente si perda in congetture, in paure, inutilmente e poi per niente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più, di più. Grazie. Grazie. Et maintenant, on va changer un peu de répertoire. On va faire une chanson en anglais. Cet temps-ci de l'année, à pareille date, l'année passée, j'étais avec une équipe incroyable sur scène à Québec. On avait fini un périple à Montréal dans un beau spectacle intitulé Mamma Mia. Et puis, juste à y penser, ça me rappelle des beaux souvenirs. Et puis, y penser que présentement, on ne peut pas faire de gros shows comme ça. J'ai pensé faire un petit clin d'œil à ces gens-là et puis à tous ceux qui avaient des gros projets cette année. Et puis, c'est ça. Donc, je vous chante « The winner takes it all ». I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's his destiny. I was in your arms, thinking I'd belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd belong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser standing small. It's simple and it's plain. Why should I complain? So tell me, does he kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when he calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide, the likes of me abide. Spectators of the show, always staying low. The game is on again, a lover or a friend. A big thing or a small, the winner takes it all.
I don't want to talk. Because it makes me feel sad. And I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence. But you see, the winner takes it all. Merci. Grazie. E adesso è arrivata la fine di questo mini concerto. Vi ringrazio. Je vous remercie d'avoir été là, de vous être syntonisé, où que vous soyez, sur votre divan, dans votre salon, cuisine, piscine, spa, whatever. Je veux que vous donniez une belle main d'applaudissement à ma pianiste, Isabelle James. Ça fait des années qu'on se connaît et puis je ne me lasse jamais de jouer avec toi. Merci beaucoup d'être là. Merci à l'organisation de la Semaine italienne. Grazie a Josie Verrillo et toute la squadra. Merci à l'équipe technique et tout. Vous êtes fabuleux. Merci. Je suis content de vous revoir en santé. Et puis, on continue, on ne lâche pas. Et puis, on va se revoir bientôt dans des grosses scènes avec plein de gens. Vi lascio con una grande canzone della musica italiana che conoscete tutti, Caruso. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ti voglio bene assai, ma tante, tante bene sai. E una catena ormai che scioglie o sangue rinde vene sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E una catena ormai che scioglie o sangue rinde vene sai. Potenza della lirica, ogni dramma è un falso che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini
rinieveri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri, così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America, ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica, ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci penso poi tanto, anzi si sentiva già felice e lui ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, e una catena ormai che scioglie sangue viso amico e una voce conosciuta, quella di Mike Melino, che ringraziamo per il suo contributo musicale. E però è domenica 16 agosto, e quindi abbiamo deciso di darvi una variazione sul tema per quanto concerne l'arte. Alle 9 la maratona del cinema italiano, sempre molto interessante e ricca, poi alle 10:30 il corso d'arte, infine il grande classico, uno dei grandi classici della settimana italiana, la sfilata di moda.